Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le cinquième round à Monaco. Effectivement, après un Grand Prix de Catalogne qui a été fructueux, puisqu'on a enfin marqué nos premiers points, même notre premier podium cette saison. Enfin, j'ai envie de dire, après trois épreuves de disette, on va passer à Monte-Carlo, un circuit que j'aime bien. Malheureusement, pour des raisons de sécurité, la durée de ce Grand Prix se voit réduite à 30%, c'est-à-dire 23 tours. Et il n'y aura qu'une seule séance de qualification. Donc, pour des raisons de sécurité, puisqu'il est vrai que la majorité des Grands Prix de Monaco qui ont eu lieu récemment étaient assez dangereux. Donc, la FIA, en dépit d'avoir une voiture de sécurité cette saison, puisqu'elle a pris des vacances après avoir été trop présente en 2019, donc elle ne sera pas là cette année. Donc, la FIA a pris la décision de réduire la durée du Grand Prix de Monaco parce que. Tous les grands prix qui s'y sont passés, ou quasiment tous les grands prix qui s'y sont passés, il y a eu des gros problèmes, des gros crashs, ou très peu de pilotes qui finissent, et ça commence, vous voyez, directement, dès la séance de qualif, il y a eu un énorme crash entre Norris et Sainz, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais, je pense qu'il y en a un qui a dû sortir des stands, et puis t'as l'autre qui a dû lui rentrer dedans, je pense que ça a dû être un truc comme ça. Et du coup, c'est la pole position tout de même, avec une seconde d'avance sur Sophia Flörsch et Alex Albon. Ensuite, on a les deux Ferrari de Giovinazzi et Leclerc. Ensuite, on a Russell qui a réussi quand même à se positionner devant les deux McLaren de Norris et Kubica. Gasly 9e devant Palmer, Joe, Wehrlein, Van Dorn seulement P13, yikes. Ensuite, on a Matsushita, Marquez, Schumacher, Aylott, Sainz, Vettel, Aitken, Hamilton, Leimer, Grosjean et Herta qui compléteront cette grille de départ. Maintenant, notre job aujourd'hui, c'est d'assurer jusqu'à la fin du Grand Prix. De partir la pole position et de terminer à cette position jusqu'à la fin de la course, en espérant ne pas rencontrer d'accident avec potentiellement du trafic, etc. Donc vous voyez, voilà, la grille c'est la même que ce que vous avez certifié dans la qualif courte, donc pas grand chose à dire de plus dessus. Donc oui, on va vérifier qu'on a bien le bon setup et du coup on va partir sur ce Grand Prix de Monaco, circuit de Monte-Carlo. Du coup, s'est vu réduit. Moi, j'aurais bien aimé faire les 39 tours. Moi, ça me dérange pas. Hein. C'est un circuit sur lequel, genre sur les jeux anciens, je performe. Donc, franchement, ça ne m'aurait pas dérangé d'avoir eu les 39 tours. C'est juste pour la sécurité. Bon, ça peut se comprendre. Allez, on va penser qu'à faire la course maintenant. On va arrêter de parler de sécurité, machin, hein, s'il vous plaît. Là, laissez-nous faire la course. Allez, là, on est bien positionné. Là, en pôle, en plus, on va avoir l'intérieur. Donc, on va pouvoir bien défendre. Et c'est parti! Sur ce Grand Prix de Monaco, avec un très bon départ de Sophia Flörsch qui va tenter de m'enrouler par l'extérieur, mais cela ne passera pas, on passera devant. Voilà, on ferme la porte et on garde la tête de la course face à l'Allemande qui semble déterminée. Giovinazzi et Albon derrière qui sont côte à côte, je crois, pour la troisième position. Effectivement, vous voyez les positions changer. Malheureusement, je ne peux pas trop voir la lutte d'où je suis, je ne peux pas regarder la caméra arrière tout en tournant. Et je crois que Giovinazzi a réussi à faire l'extérieur. Alex Albon et prendre la troisième position, alors que derrière ça me met une grosse pression, un énorme train à la queue leu-leu hein, qui se fait derrière moi. Est-ce que Sophia Flörsch va attendre la chicane du port pour tenter le dive bomb? On notera qu'on a eu que des vainqueurs différents hein, pour l'instant, et Sophia Flörsch qui va peut-être tenter. Non, ça va rester derrière, et ça a tapé pour Sophia Flörsch qui a freiné plus tard, et j'ai failli prendre le mur aussi parce qu'elle m'a poussé. Ah oui, effectivement, ouais, un peu loupé son freinage, je suis vraiment pas passé loin du mur de pneus. Et on se retrouve deux tours plus tard avec une Sophia Flörsch qui est toujours plus incisive, qui tente même de couper, je crois, la chicane du port pour tenter de passer. Donc c'est pour dire à quel point c'est oppressant cette pression. Mais le coupage de chicane, attendez, normalement c'est le joueur qui coupe la chicane, c'est pas l'IA, on est où là? Et tour suivant, Sophia Flörsch toujours aussi pressante et elle a cassé encore un bout de son aileron, sauf que je crois que c'est l'autre bout qui est parti. Ouais, voilà. Sophia Flörsch qui a complètement perdu son cerveau et oh là là, elle a enlevé son coéquipier avec. Mais putain, mais elle a débranché son cerveau, c'est pas possible! C'est n'importe quoi! Et oh là là, il y a Grosjean en plein milieu du tunnel! C'est dangereux! C'est dangereux, mais qu'est-ce que. On est à 230 km/h, il y a un gars qui. Garé là en plein milieu de la trajectoire, putain. Et il y en a deux. Voilà, hein, ça va pas être le premier, ça va pas être le dernier, je veux dire, parce que ça va arriver. Voilà, il y a des pilotes qui se garent en plein milieu de la piste pour des problèmes de fiabilité, je pense, mais c'est ultra dangereux quand même. Et voilà, encore un contenement avec mon coéquipier, un autre pilote.
Non mais c'est ridicule, franchement, c'est des problèmes de fiabilité, franchement, faut revoir la fiabilité des moteurs, parce qu'ils arrêtent en plein de la piste, c'est très dangereux. Ouh, il a failli pas passer loin du mur, là. On n'est pas passé loin du mur. Et attention dans le tunnel. Allez, 1, 2, 3, et on a fait une étincelle avec le mur pour éviter Schumacher, et on a Palmer qui ne laisse pas passer au premier abord, alors qu'il y a un tour de retard, mais rassurez-vous, il va le faire. Mais franchement, c'est ridicule, voilà. Après, là pour le coup, c'est quand tu vois des trucs comme ça, effectivement, ouais, c'est sûr que pour la sécurité, il vaut mieux réduire la durée du Grand Prix. Franchement, il se gare à des endroits dangereux. Il faut se garer ailleurs quand on a des problèmes de fiabilité, pas en plein milieu du tunnel. Mais regardez sur la mini-map, regardez le campement qu'il y a, il y a un virage du tabac, mais qu'est-ce que... Allez ailleurs, garez-vous si vous roulez à 30 km/h, vous êtes des chicanes mobiles. Mais regardez, mais c'est ridicule. Et on se prend une pénalité. Mais putain, on se prend une pénalité pour dépasser des gens qui sont à 30 km/h. Alors que ça allait les tours d'avant, mais pourquoi la FIA a aussi perdu la tête. Voilà, c'est la fête, c'est la foire à la saucisse. Et du coup, on va faire notre drive-thru. Heureusement pour nous, on a assez d'avance, puisque les autres ont un peu plus de mal que moi à gérer le trafic. Donc du coup, ils se retrouvent assez loin. Allez, on repart dans le peloton, je vais dire. On part loin en tête, mais, donc clairement. Ça serait notre première victoire depuis la 6e épreuve de l'année dernière, c'est-à-dire en Malaisie, rendez-vous compte. Ça serait incroyable. Alors qu'ici, on va prendre un tour à Joe, qui va me compresser dans le mur. Mais c'est pas possible, mais ils sont débiles ou quoi? Pff, non, mais c'est... Oui, mon drive-bomb est tardif, mais il aurait pu faire un décalage du genre, ah, il est là, tu vois, je te laisse de la place. Mais non. Et regardez, il y a un campement en plein milieu de la trajectoire de Saint-Dévot. Mais c'est dangereux, dégagez-moi ça. La safety car, elle servait à quelque chose, hein, effectivement. Mais là, il y a... C'est ridicule, franchement, les spectateurs qui voient ça à la télé doivent se dire que ce sport est ridicule et on s'est complètement craché dans le mur d'erreur d'inattention qui coûte cher, mais heureusement on a beaucoup trop d'avance et du coup on devrait repartir en tête normalement, mais effectivement, les spectateurs qui doivent se dire mais quel est ce sport qu'est la Formule 1, c'est devenu ridicule, franchement, n'importe quoi, en tout cas si ça arrivait dans la vraie vie, d'autant plus avec les réseaux sociaux, je vous dis pas. Bref, j'espère que ça va pas se reproduire dans les prochains Grands Prix, parce que vraiment, c'est dangereux, quoi. Bon, après, Monaco, c'est le plus dangereux d'avoir du... C'est le circuit où c'est le plus dangereux d'avoir du trafic, quoi. On peut dire. Donc oui, c'est chiant, en fait. Et Kubica qui a failli fermer la porte, j'ai eu très peur, mais c'est bon. Kubica a été intelligent, alors qu'ici, on tente de faire le meilleur tour. Sauf que, bon, il décide de s'arrêter, parce qu'il va me laisser passer, je sais pas, bref. On va prendre un tour au quatrième, voilà. Et là, ici, on va terminer enfin ce Grand Prix bordélique et rocambolesque pour gagner notre première course depuis l'année dernière. Let's go! Brilliant! Brilliant! That's the double pole in the win! Oh, oh, you legend! Oh là, j'ai eu l'enthousiaste! Oh la vache! Ah, ça change de l'ingénieur dans les nouveaux jeux qui dit... Bien joué, tu as gagné la course, bravo. Lui c'est, ouah, t'as fait le doublé, waouh. Là c'est un, tu vois, là c'est un humain, c'est pas un bot. Oh, je m'attendais pas à ton enthousiasme, merci, franchement ça me fait chaud au cœur, man. En tout cas, magnifique victoire devant Albon et Giovinazzi, qui sont, voilà, on est les trois seuls dans le même tour, puis après c'est Flörsch devant Leclerc, Gasly, Kubica, Palmer qui sont à 1, 2, 3 tours. Et puis les autres qui doivent être à 4, 5, 6, 7, 8. Bon, bref. Voilà, c'est le bordel. Voilà. Et Verlaine, dernier survivant, 4 tours. Puis le reste, c'est des DNF. Schumacher qui marque quand même un point, puisqu'il termine dans le top 10. Puis on a les autres DNF, du coup, d'Hamilton, Van Dorn, Marquez, Matsushita, Aiken, Russell, Aylott, Grosjean, Vettel et Norris. Et des disqualifications. Du coup, c'est assez rare pour le signifier, donc du coup, les disqualifications de Guan Yu Zhou, Carlos Sainz, Fabio Leimer et Colton Herta. Donc du coup, au championnat de pilote, Alexander Albon en tête tranquillement avec une vingtaine de points d'avance sur Robert Kubica, le pilote thaï qui fait une excellente première saison. Giovinazzi 3ème devant Lando Norris 4ème, on remonte en 5ème place au championnat, let's go. Ensuite, on a Charles Leclerc
devant George Russell. Fabio Leimer qui chute à la 8ème place puisque depuis sa victoire à Montréal, il n'a pas marqué le moindre point. Ensuite, on a Sophia Flörsch devant John Palmer, Pierre Gasly, Mick Schumacher, Guanyu Zhou, Callum Aylott, Top Pascal Wehrlein, Stoffel Vandoorne et ensuite Marc Marquez, Matsushita Carlos Sainz et puis le reste qui n'a pas marqué de points. McLaren en tête du championnat mais un seul petit point devant BMW. Ferrari est 3ème devant Sauber, Mercedes, Audi, Renault, Toyota. Et puis on devrait avoir Porsche, Williams, Hyundai et Andretti. Du coup, qui complète ce classement constructeur. Et du coup, on va se retrouver pour la conférence de presse. Effectivement, ça va être notre première victoire de la saison. Là, clairement, si on continue comme ça, on peut toujours revenir dans le business, hein, techniquement. Mais effectivement, que vous inspire le résultat d'aujourd'hui? Espoir, rédemption, tout ce que tu veux. Vraiment, on est sur notre petit nuage. Voilà, exactement, je cherchais le terme. Ressentez-vous de l'émotion? Évidemment. C'est quoi ces questions débiles? Bien sûr qu'on sent l'émotion dans ces moments un peu cons. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi un certain travail d'équipe. Votre dur travail sera-t-il reconnu? Je pense qu'il est assez reconnu. On a failli remporter le titre l'année dernière pour eux. On a remporté le titre avec eux quand ils étaient sous BMW en 2010. Donc je pense qu'ils reconnaissent mon boulot. Ça, c'est clair. Donc du coup, on se retrouvera pour la prochaine course à Silverstone pour le prochain épisode. Donc ça va être un circuit qui va être un peu plus conventionnel où ça va être un petit peu plus dur à défendre face aux IA éventuellement, circuit avec des grandes courbes, grandes lignes droites, etc. C'est sûr que c'est complètement différent de Monaco. Donc voilà, j'espère que ce Grand Prix de Monaco vous aura plu. Donc on se retrouve pour Silverstone, Grand Prix de Grande-Bretagne très bientôt. Allez, ciao les amis, tchuss!